Bonjour à tous, je suis Philippe Nguyen, conseiller technique fédéral chargé d'identifier et de former les jeunes moins de 18 ans pour la préparation des Jeux olympiques des jeunes 2021 dans le domaine de Tai Chi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un petit exercice ou bien un traolu de 8 mouvements qui se répètent de côté permettent à pratiquer le Tai Chi dans l'espace étroit comme chez vous ou bien dans votre jardin. Voici les explications. Premier mouvement, tenir droit, la tête droite, le corps détendu, se calmer. Premier mouvement, si che ou bien ouverture, centrer vers la jambe droite, écarter la jambe gauche, inspirer, monter l'énergie vers les épaules, expirer, relaxer, baisser légèrement le corps. Premier mouvement, repoussez le singe, Tao Chuan Hao. Inspirez, tournez le corps vers la droite. Expirez, poussez les deux mains, la main droite vers l'avant. Tirez la main gauche vers la taille gauche. Deux, répétez, même geste. Inspirez, poussez, expirez, relaxez le corps vers le bas. Deuxième mouvement. Grossez le genou, sans gravité sur la jambe droite, recoupez la jambe gauche, joint la jambe gauche vers le côté droit, légèrement baissez le corps, posez le sans gravité, le talon gauche, relaxez légèrement le corps, rapprochez la main et poussez la main droite, voilà, et dans ce mouvement-là, il faut bien relaxer les épaules, là, d'ici. Relaxez les épaules et poussez vers l'avant. Là. Derrière, c'est kung-fu. La jambe doit être droite. Il ne faut pas plier cette jambe. Voilà. L'autre côté, fermez le pied gauche. Recoupez. Baissez le sans gravité. Écartez. Pousse. Quand vous avancez cette jambe, évitez que le genou se ferme. Donc c'est une faute de... Le mouvement suivant, c'est diviser la crinière cheval. Portez ballon, fermez le pied droit, recoupez le pied gauche, baissez le sans cavité, divisez la crinière cheval. Divisez la crinière du cheval, pardon. Pour l'autre sens, répétez l'autre côté. Portez ballon, divisez la crinière du cheval. Donc la force est dans cette partie. Donc mettez votre intention dans cette partie. Suivant, ondulez la main comme le nuage. Baissez, fermez le pied, déplacez un pas, deuxième pas, et retournez vers l'autre sens. Un pas. Et deuxième pas. Okay. Donc c'est une main qui presse, une main qui coupe, ça s'appelle le, une main qui tire. Okay. À partir de là, on change. Croisez la main devant la poitrine et teng jiao, poussez la jambe. Teng jiao, d'accord? Pliez, croisez la jambe. Et teng jiao, teng fen jiao, pousse. Voilà, le point. Teng jiao, c'est-à-dire la force atteint le talon. Fen jiao, c'est la force atteint le point du pied. Point du pied de tendu. Voilà. Suivant, c'est le mouvement serpent rampe dans la pelouse. Et ici, hein. Voilà. La main gauche transformée en crochet.
trois doigts se coupent. Voilà. Rabaissez le bassin. Relaxez le bassin. Écartez la jambe gauche, droite. Pliez les genoux au maximal. Voyez le dos droit. Le couche. Gardez. Et voilà. Presse le corps vers le bas. Et ouvre le pied. Ouvre légèrement le pied. Fais le mouvement Kung Fu. Avec le crochet tourné vers le haut. Levez le genou gauche. À peine. Cherche le coup d'or. Reste en suivant une jambe. Tin chi tu li. Répétez de l'autre côté. Pareil. Crochet la main droite. Relaxez le bassin. Relaxez le bassin. Le genou. Crochet la main. Glissez la main au sol. Tournez, ouvre légèrement le pied droit et le coup d'or reste sur une seule jambe. Le mouvement suivant, saisir la queue la zone, la tue wei, porte ballon, peng. Premier mouvement, peng. Le corps gonflé. Le deuxième mouvement, lui. Le troisième mouvement, qi. Quatrième mouvement, an. Le côté, fermé. Le pied droit. Tournez le corps vers la gauche. Hong. Lui. Et le dernier mouvement, c'est clôture, son cheveu. Gardez la main gauche, fermez le pied gauche, vers, tournez le corps vers la droite et gardez la main droite au niveau du genou. Rapprochez les pieds vers l'avant, croisez le bras, peng, ouais. Écartez, pressez vers le bas, et se ferme le pied. Voilà, le mouvement se termine à ce moment-là. Voilà. Merci pour votre attention.